Donc, je vais vous présenter une technique de compostage à froid. Donc, le compostage à froid. Donc, on dépose directement au sol nos déchets de cuisine. Ici, nous avons donc nos déchets de cuisine de la journée. Donc, on a gardé le goût des têtes de carottes, mais aussi bien caché, nous avons des bouts de pommes de terre. Donc on va réserver hop la tête de carotte sur le côté. Là, une deuxième tête de carotte, un deuxième bout. Et là, un petit bout de pomme de terre qui présente des germes. Donc comment on fait? Tout simplement, on prend une pelle, on fait un petit trou. Et vous voyez comment c'est riche avec le compost là. Ça s'enfonce tout seul. Il n'y a pas besoin de creuser très fort. On met son bout de pomme de terre à l'intérieur. Et on recouvre. On dépose les épluchures par-dessus pour bien nourrir le sol. Et voilà. Et on fait pareil pour les carottes. On soulève un petit peu. On met des petits bouts de carottes. Hop. Là. On referme. On met les épluchures par-dessus. Pareil pour le dernier. On dépose. On referme. Et on dépose les épluchures par-dessus. Voilà, on peut hop, après en déposer un peu partout pour continuer à nourrir le sol. Et donc là, vous pouvez voir ici des topinambours qui repoussent. Il y en a d'autres là-bas. Là, ce sont les pommes de terre qui repoussent. Il y en a un petit peu partout, des pommes de terre qui sont sorties. Et là, nous avons une pomme de terre entourée de deux ailes. Voilà, hop, de l'ail qui a repoussé tout seul. Voilà la technique de compostage à froid. Le compostage directement sur le sol. Avec vos déchets de cuisine, vous pouvez ajouter des branchages coupés en petits morceaux, des feuilles, de l'herbe de tonte, vos désherbages coupés en petits morceaux aussi. Donc de quoi créer un équilibre et un écosystème plus riche au compost, plus aéré, ce qui va aider à décomposer plus rapidement les déchets. Comme vous voyez, c'est très très facile et ça donne de très bons rendements pour très très peu d'argent.